Et je salue Jean-Luc Lemoine que je suis heureux de retrouver. Oh Philippe, vous êtes de retour. Mais oui, c'est moi. On ne me prévient jamais. Je vous préviens. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. J'en ai pas manqué une de ces sessions. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous faire pénétrer dans les coulisses de votre rubrique. Vous savez Philippe, choisir une émission pour cette chronique, c'est un peu une loterie. À chaque fois tu dis avec beaucoup de gourmandise que c'est super, que tu vas découvrir une nouvelle émission. Et puis parfois... Oui, boule noire de Motus. Tout ça pour vous dire que j'ai regardé La Bataille des Clans sur TFX. Alors, je vous le dis tout de suite, le seul intérêt de cette émission, c'est si t'es enceinte et que tu cherches un prénom original pour tes enfants. C'est l'émission qu'il te faut. Emine, Bastos, Chan, non. Jazz. Attends, il y en a qui s'appelle Bastos. Bastos. Ouais. Bastos. Jazz, Maïsan, Joesy, Belle. Belle, c'est risqué d'appeler sa fille comme ça quand même. Hein. Enfin, avant d'avoir vu à quoi elle ressemble. Si t'appelles ta fille moyenne, tu prends moins de risques. Enfin bon. Et c'est toujours la poule et l'œuf. Tu sais pas s'ils ont des prénoms improbables parce qu'ils font de la télé-réalité ou si tu appelles tes enfants comme ça, ils seront obligés de faire de la télé-réalité plus tard. Si ton prénom te prédestine. Dans le doute, j'ai appelé mes enfants Paupiette et Côte de Veau. Personne n'essaiera jamais de les recruter, moi je vous le dis. Donc la bataille des clans. Il s'agit de deux clans qui s'affrontent, les JLC et les Gage. C'est tourné dans une villa en République Dominicaine, avec des jeunes gens musclés et des jeunes filles en string qui parlent de choses incompréhensibles. Pour vous donner une idée, les Marseillais à Cancun à côté, c'est un peu comme si tu regardais BFM Business. Non. Si, je vous raconte quand même. Ouais. Rentrons dans le vif du sujet directement avec Laura L. Je suis phobique de tout ça, j'ai cru me pisser dessus. J'ai qu'une seule envie, c'est de tuer Bastos. Bah Bastos, ça tombe bien, il a un nom prédestiné. Mais au fait, de quoi Laura, elle, est-elle phobique? Eh bien, le matin, au réveil, quelqu'un avait trouvé un petit insecte de 3 cm. On écoute la réaction tout en retenue de Laura, elle. Là, je me suis dit, il reste 1h50 à dérocher, ça va être long. Hein. Mais vous connaissez mon professionnalisme, j'ai donc pris 2 Doliprane et j'ai continué. Alors je vous préviens quand même, je ne vais pas vous faire de fausses promesses, c'était l'une des conversations les plus intéressantes de l'émission. Après, ils ont décidé de continuer les blagues sur l'insecte. Bon, là, j'ai essuyé mes oreilles, il commençait à saigner. Je me suis dit, bah, je vais appeler Philippe, je vais lui dire que j'ai le Covid et que je peux pas venir aujourd'hui. Mais comme vous aviez déjà grillé cette excuse vous-même la semaine dernière, j'ai continué. Et bourgeoisie, allez, allez. Et bourgeoisie, allez, allez. Et bourgeoisie, allez, allez. Ouais, ils ont fait une chanson pour Josie, allez, allez. Me demandez pas pourquoi. Après les cris sur les insectes, j'ai trouvé ça plutôt reposant. Ensuite, la confession d'Alan a été pour moi d'un grand secours, comme l'apparition d'une lumière au bout du tunnel. Il a parfaitement résumé ce que je ressentais en regardant l'émission. J'ai envie de le prendre à la rigolade, parce que ça, alors c'est tellement fou, c'est tellement n'importe quoi que si je le prends premier degré, on va se redisputer et ça va débouler sur une histoire qui n'a pas de sens. Voilà, c'est exactement ça. J'ai pas tout compris à ce qu'il a dit, mais c'est ça. Surtout ne pas prendre ce programme au premier degré. Alors, fort de ces paroles réconfortantes, j'ai continué. Moi, je veux pas que tu crois que genre je te mets au même piédestal que toutes les autres. Genre, je te mets pas au même piédestal, genre. Ouais, c'est violent, mais grâce à mon blanc... grâce à mon blindage mental en acier trempé, les fautes de français ricochent sur moi, comme le feraient les balles sur le blindage d'une voiture. C'est comme si que genre je lui fais la tête. C'est comme si que genre je lui fais la tête, vas-y tire, je m'en fous, je suis blindé, je te dis. Et si vous me trouvez méchant avec Alan, je vous rappelle que je suis méchant bénévolement. Sa copine Maïsan, elle, fait partie du programme. Évidemment qu'il a besoin de moi, Alan. Déjà parce que sans moi, il peut pas aligner une phrase grammaticalement correcte. Ouais, elle est lucide quand même. Hein. Donc je continue à avancer dans ce programme. T'es un explorateur avec son bécherel à la main. Et là, soudain... Ah oh, waouh, je m'attendais pas du tout à ça. On est au bord de la plage. Non, on est sur la plage et au bord de l'eau. Parce que si t'es au bord de la plage... T'es sur la route. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs au bord de cette route que je les ai laissés. Hasta luego, amigos. Oh là là, merci beaucoup, Jean-Luc Lemoine. Je te mets au même piédestal. Vraiment, franchement.